Pour ta journée professionnelle, je vais travailler avec mon oncle à la boulangerie. Ah, lever à 2h du matin pour cuire du pain, super. Moi, je vais à l'agence de pub où travaille ma mère. C'est plein de garçons super mignons là-bas. Tout ça, c'est nul. Moi, je passe la journée à la mairie avec mon père. À moi, les déjeuners prestigieux, les inaugurations chics et les fans en délire. Tu ne confondrais pas le métier de mère avec celui de star, par hasard? Alors, les enfants, vous avez tous trouvé un adulte à accompagner demain sur son lieu de travail? Ben non, ma mère va au travail en vélo et il n'y a pas de porte-bagages, alors je ne peux pas l'accompagner. Mais ce n'est pas grave, elle connaît le chemin toute seule. Sophie, le but n'est pas de faire le chemin avec un adulte, mais de passer toute une journée au travail d'un adulte pour connaître la vie professionnelle. Ah! Bon, quelqu'un peut emmener Sophie demain avec lui? Est-ce que je peux venir à la mairie avec toi? Ah non! Le travail à la mairie, c'est compliqué. Tu ne serais pas capable. Va voir au cirque si le dresseur d'Otari peut te prendre. Ah, j'adore les animaux. Mais je ne sais pas dresser les Otari. Pas besoin. Je pensais à toi dans le rôle de l'Otari. C'est malin. Tu peux venir avec moi si tu veux, puisque tu adores les animaux. Je vais travailler aux écuries de mon oncle André. Des écuries? Ah, génial! J'adore les moutons. Du nerf, Émilie. Les bureaux de la mairie ouvrent à 8h. Et on doit donner l'exemple en étant prêt à 7h30. Moi qui pensais dormir et venir en fin de matinée. Je sais pas, moi, vers 15h. h 30, pile à l'heure. Dis donc, Vincent, à quoi on paye? Hein? Tu as 3 minutes pour nettoyer tout ça. Et je veux que ce soit propre comme un sou neuf. J'aurais dû la laisser faire la grasse matinée. Voilà le centre équestre et ses habitants. Waouh! Je les adore déjà. Lequel je monte? Monter? Oh, c'est pour plus tard. Si vous avez bien travaillé. D'abord, il faut leur donner à manger, les brosser, nettoyer les box. Martine, je compte sur toi pour montrer à Sophie. Pas de problème, tonton. Bon, on leur prépare à manger. J'adore faire la cuisine. Je pense que pour le moment, ils vont se contenter de foin ou de son. Du son? Bonne idée. Mettons-leur de la musique. Sophie, je parlais de son d'avoine. C'est une céréale. Ah. Elle est où ta secrétaire? Je veux qu'elle me fasse un chocolat chaud. Elle a pris une journée de congé. Aujourd'hui, ma secrétaire, c'est toi. Tu vas trier mes dossiers, coller les timbres du courrier, répondre aux appels, et pour commencer, tu vas me faire un chocolat chaud. Les trilles, c'est pour soulever le poêle. Le bouchon, pour enlever la poussière. Et la brosse douce, c'est pour tout lisser. D'accord? Ah, oh, bah c'est ballot, ça! Comment tu veux que je me serve de 3 brosses alors que je n'ai que 2 mains?
va voir si je suis sa secrétaire. Ah non, madame, vous vous trompez. Ce n'est pas la mairie ici. C'est la charcuterie du gros lard. Tu as timbré le courrier, ma chérie? Pas eu le temps. Comme tu vois, je rangeais ton bureau. Ah, au moins tu as pensé au chocolat. Ah, c'est quoi cette horreur? Je ne savais plus si tu voulais un chocolat chaud ou un café. Alors j'ai mélangé les deux. Ma chérie, comment te dire? Ça ne va pas du tout. Si ça continue, je vais te changer de poste. Enfin quoi, Sophie? Tu leur fais des couettes au lieu de les peigner. Tu passes la brosse à crinière dans leur bouche en pensant que c'est une brosse à dents géante. Et pour couronner le tout, tu mets de l'eau dans la mangeoire et de l'avoine dans l'abreuvoir. Tu fais tout de travers. Je n'aurais pas dû venir. Je sais bien que je suis bonne à rien. Oh, écoute, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis sûre que tu es douée pour quelque chose. On a tous un talent caché, pas vrai? Tiens, regarde, ils n'ont pas l'air de t'en vouloir. Ils n'ont pas protesté une seule fois. Je ne sais pas comment tu as fait. Oh, je leur ai demandé gentiment, c'est tout. Tiens, papa, j'ai collé tous les timbres comme tu m'as demandé. Oh, c'est une catastrophe. Allô, oui? Mais pourquoi voulez-vous que j'aie de l'andouillette? Je ne sais pas ce qu'ont les gens aujourd'hui à prendre à la mairie pour une charcuterie. Émilie, c'est décidé, je te change de fonction. Super! Je déteste le travail de bureau. Dans ce cas, j'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, allez, plus vite que ça. Comme tu disais, tout doit être propre comme... Comme quoi déjà? Ah oui, propre comme une clé de neuf. Ah, tu vois qui arrive. Allez, pousse-toi, ma belle, que je brosse devant. Aïe! Ah! Mais qu'est-ce qui lui prend? Allez, tourne-toi, s'il te plaît. Allez, pour ta Sophie Nounette. Ça alors, le voilà, ton talent caché. Les animaux t'écoutent. Bah, c'est juste une question de geste et puis d'intonation. J'ai l'habitude de leur parler, vu que chez moi, il y a 2 chiens, 3 chats et 7 lapins. Plus mon frère qui a une tête de mule. Tu devrais essayer avec Émilie, avec le caractère de cochon qu'elle a. Humiliée, je suis humiliée. Voyons, Émilie, il n'y a pas de saut métier, tu sais. Et puis assez parlé travail. Parlons plutôt déjeuner. Tu m'emmènes où? Au resto chic de la ville où tu as sans doute un rendez-vous avec un patron super important? Tu te fais trop d'idées sur mon travail, ma chérie. Oui, j'ai bien un déjeuner d'affaires pour manger un bon croque-monsieur avec André au centre équestre. C'est vrai qu'Émilie a un sale caractère. Mais c'est la seule qui veut bien être mon amie. Mais parce que ça l'arrange? Elle te rabaisse tout le temps pour pouvoir se mettre en valeur. Je sais, je suis pas complètement idiote, sauf quand elle m'énerve. Là, je fais des idioties, exprès contre elle pour me venger. Voyons. Mais ce n'est pas mal du tout. Bon, comme vous avez bien travaillé, les filles, vous avez gagné le droit de monter. Oui! Ce n'est pas juste! Je suis la fille de Monsieur le maire. Moi aussi, j'ai le droit. André, par pitié, passez-lui un poney. Sinon, je sens qu'elle va gâcher mon croque-monsieur. On commence par le béaba. Pour avancer, un coup de talon. Pour s'arrêter, on lève le licol. Pour tourner, on tire légèrement du côté où on veut aller. Attends, Martine, tu permets que j'essaye quelque chose? Coucou, mon grand. C'est ta Sophie Nounette. Elle m'a l'air douée, la petite Sophie. Facile, moi aussi je peux le faire. Allez, la paupière boudinée, une cocotte.
n'a pas écouté mes conseils. Au secours! Dis, tu sais galoper, toi? Parce que moi, je sais pas. T'es pas fait mal, ça va? Oui, tonton. Grâce à Sophie... Nounette. Dites, elle se tient toujours comme ça, princesse? Non, d'habitude, non. Regardez ça. Elle avait une écharde dans la fourchette du sabot. Ah, oh, mais c'est pour ça qu'elle ne se laissait pas faire dans le box. Et qu'elle est partie d'un coup au galop. Allez, grenadine pour tout le monde. Ça va vous remettre de vos émotions. Sophie, tu as été formidable. Ça te dirait de travailler au centre des week-ends? En échange, tu pourrais monter les poneys quand tu veux. Génial! Oh, merci beaucoup, Monsieur André. Merci, Martine, de m'avoir fait venir. Sophie a eu de la chance, c'est tout. Croyez-moi, elle est trop gourde pour travailler. Excuse-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Tu as raison, je suis bien trop gourde.